Je vais vous parler de la rencontre de l'UFDG, RPG et d'autres partis politiques, la rencontre des coalitions. Mais je viens sur la première phrase que je viens de donner. Quand tu penses faire du mal aux autres, tu finiras à te faire mal toi-même. Parce que tu deviendras le malheur de toi-même. C'est ce qui est aujourd'hui sur le RPG. Cette question de la durée de transition, les grands promoteurs d'une longue durée de transition étaient le RPG. Parce que tout simplement, ils nous ont fait croire que le coup d'État, c'était un pouvoir qui a quitté le salon pour aller dans la chambre. C'est eux, dès le départ, ils se sont opposés à nous autres pour dire que CNRD, nous sommes derrière vous, même s'il faut 10 ans de transition que nous sommes derrière vous. Qui l'a dit en République de Guinée? C'est le RPG. C'est pour cela que j'ai dit que ce parti-là ne mérite plus de vivre sur l'étendue du territoire. En République de Guinée. Dès ces premières heures, c'est eux qui ont commencé à dire nous voulons une transition de 15 ans, nous voulons une transition de 10 ans, nous voulons une transition de 7 ans, de 5 ans, ou de 6 ans. C'est eux qui ont dit. Je suis étonné. Les mêmes qui ont cautionné, qui ont nourri le CNRD de l'espoir là, se retournent aujourd'hui contre les 36 mois du CNRD. Je suis étonné. Quand ils étaient en train de leur faire croire que le CNRD a leur soutien pour une transition de longue durée, ils pensaient à quoi? Que c'était un jeu pour le CNRD? Ils pensaient que ce qu'eux ils disaient là, le CNRD prenait ça pour un jeu? Non, le CNRD utilise la même politique qu'Alpha Condé. Ils essayent toujours d'aller sur l'opinion publique. Ils font toujours un sondage. Vous avez vu un moment, ils ont commencé à faire ce truc de mania, je ne sais pas comment je vais le dire, sur Espace, où ils faisaient un sondage, le code de popularité de Doumbouya aujourd'hui à l'intérieur, Doumbouya à Conakry, Doumbouya sur l'Axe, Doumbouya ceci et où c'est là, avec les journalistes alimentaires de Espace, ce qu'ils étaient en train de faire. Vous avez vu, c'est encore le RPG qui a nourri l'espoir là. Lorsque l'Axe a voulu sanctionner Doumbouya pour lui dire que tu n'as pas le droit de t'entêter sur les trucs de la Guinée, tu n'as pas le droit de monopoliser le débat guinéen. Quand il a été prié dans une mosquée et que personne ne lui a regardé, qui en première position a demandé à Doumbouya que vienne sur l'autoroute, que nous sommes là-bas pour toi? C'est encore le RPG. C'est le RPG qui a demandé à ce que Doumbouya part sur l'autoroute. Que si l'Axe te dit non, nous RPG, on va t'acclamer ici. Qui l'a dit? C'est encore RPG. Et c'est tout ce que RPG le CNRD avait besoin. Savoir que toute la Guinée est unanime, qu'ils sont légitimes. C'est tout ce qu'ils avaient besoin. Savoir que toute la Guinée était unanime, qu'ils sont légitimes. À la fin, aujourd'hui, ils sont où? Mais je vais vous dire, là, je m'adresse à l'UFDG, à son président et à ses militants, et surtout à l'ANAD. Dans la coalition ou disons G58, dont j'ai beaucoup de personnes de connaissances, j'ai beaucoup de connaissances. Ce que je vais vous dire. Pour l'UFDG, si vous vous rappelez, aujourd'hui je suis très content
de savoir que quand je me suis déplacé ici, un moment, je suis parti à Conakry. Je vous ai dit que je me suis entretenu avec le président Seydou d'Alain Diallo et que je lui ai donné mes conseils. Et il m'a promis qu'il prendra mes conseils avec deux mains. Aujourd'hui, je suis content. C'est moi, je vous avais dit un moment, j'ai dit que vous, militants de l'UFDG, dites à votre président Seydou d'Alain Diallo d'arrêter d'aller dans les médias guinéens. C'est moi, amiral, je l'ai dit. Je vous ai demandé de dire à votre président, le président Ella Seydou d'Alain Diallo, de mettre fin à ses interventions dans les médias guinéens. Vous vous rappelez de ça? Et je suis content parce que à un des rendez-vous, vous les militants, vous avez dit à Seydou, vous avez imposé à votre président de ne pas aller sur espace. Ça m'a mis à l'aise. Depuis que le président Seydou d'Alain Diallo ne parle plus dans les médias guinéens, vous avez vu le respect qu'il a. Vous avez vu le poids qu'il a. Et c'est moi, je vous ai dit, dites à votre président, le président Ella Seydou d'Alain Diallo, de quitter la Guinée et d'aller à l'étranger. Il n'a qu'à aller lui aussi cette fois-ci, d'aller se battre par tous les moyens auprès des grandes puissances, auprès des institutions internationales, auprès de qui peut, quiconque pourra l'aider à avoir le pouvoir d'aller et de quitter la Guinée définitivement jusqu'à l'organisation des élections avant son retour au pays. Qui l'a dit? C'est encore moi, je l'ai dit. Je vous ai dit, tant qu'il est en Guinée, les gens-là ne vont pas considérer Seydou. Les gens-là ne seront pas sa force de frappe. Mais depuis que Seydou a quitté, les médias guinéens, les journalistes alimentaires, les blogueurs des petits blogueurs de Facebook et autres là, sont aujourd'hui inquiets. Et surtout, les leaders politiques, qui sont les petits leaders politiques aujourd'hui en Guinée, sont inquiets de ce que peut faire réellement Seydou d'Alain Diallo en dehors de la Guinée. C'est un RD qu'on est. C'est moi, je vous ai dit. Dites-le de quitter ce pays. Je l'ai dit. Et je suis allé en personne, je lui ai dit. Je lui ai dit, vous avez commis une grosse erreur. J'ai dit ça au président. Je dis, vous savez l'erreur que vous avez commis, monsieur le président? Il me dit, non, amiral. J'ai dit, Alpha Condé a fait 11 ans de pouvoir. 11 ans, il n'est pas venu vers le peuple. 11 ans, vous, le président Seydou d'Alain Diallo, vous n'êtes pas venu vers le peuple. Vous êtes resté à Conakry. Pourtant, la Guinée, nous parlons de 33 préfectures. 11 ans, Alpha Condé est resté à mentir au peuple. 11 ans, vous êtes resté assis en train de regarder Alpha Condé ne pas faire de contre-attaque contre les mensonges d'Alpha Condé. Contre-attaquer Alpha Condé, c'était comment? Il fallait envoyer des projets vers le peuple. Il fallait préfinancer les jeunes dans l'agriculture. Il fallait aider les mamans dans l'agriculture. Il fallait aider les jeunes. Il fallait aider la Guinée. C'est ce que vous devrez faire, monsieur le président Seydou d'Alain Diallo. Je l'ai dit. Mais je dis que Alpha Condé a fait 11 ans en train de mentir au peuple. 11 ans, vous êtes en train de regarder les mêmes mensonges. Alpha était en train de mentir au peuple. Vous n'avez pas fait quelque chose. Vous n'êtes pas venu contrecaler Alpha Condé dans son mensonge. Je dis, mais vous êtes resté à Conakry. Voilà l'échec. Parce que, à l'intérieur, il vient dire que ton parti, c'est un parti communautaire. Ton parti, c'est un parti d'extrémistes. Ton parti, c'est un parti de ceci ou de cela. C'est ce que le refrain là, on entend en longueur de journée à l'intérieur. C'est ce qu'on entend en longueur de journée à l'intérieur. Donc, j'ai dit au président, il faut que ça prenne fin. Quand vous allez avoir l'opportunité, quittez la Guinée,
allez chercher le grand appui. Allez négocier avec la France. Dites aux Français, quand vous serez président, c'est le partenariat que vous voulez avec la France. Dites-leur ça. Montre-leur ce qu'ils peuvent gagner. Montre-leur ce que la Guinée peut gagner. Et surtout, dans ces négociations, il ne faut jamais léger la Guinée. Bats-toi pour que la Guinée gagne ce qu'il doit gagner et donne aux partenaires de développement ce qu'ils peuvent gagner. C'est moi, je l'ai dit. Va vers la Russie. Va vers les États-Unis. Va vers l'Allemagne, va vers n'importe quelle puissance, la Chine, la Corée, le Japon. Va vers toutes ces puissances-là, va les trouver. Dites-leur que il n'y a plus rien devant toi. Le chemin est balayé. Tout ce qui est là, c'est un complot. Comment t'éliminer? C'est ce qui est là. Sinon, il n'y a plus rien sur ton chemin. Je l'ai dit dans ma vidéo. Certains ont pensé que je mentais. Est-ce qu'il y avait en ce temps le coup d'État? Non. Mais j'ai dit, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à aller. Mais je suis étonné que le président Selou aujourd'hui sorte de la Guinée, il s'en va et il veut aller quelqu'un qui a passé plus depuis 58. Depuis qu'il est en République de Guinée, il n'a pas quitté la Guinée même pour 3 mois. 3 mois ou 2 mois. Ce monsieur quitte, vous voulez qu'il rentre pourquoi? Pour venir faire quoi? Venir encore parler, comment il dit ça là? Quand c'est comment on appelle le gars, rappelez-moi. Quand c'est Aliou Ba qui va faire, par exemple, une erreur de communication, on ne dit pas c'est Aliou, on va dire directement le proche de Selou a fait ceci. Le temps de Selou a fait ceci. Le tel de Selou a fait ceci. Ça sert à quoi? Dites seulement Dak a fait une erreur si c'est Dak. Ou dites Mamadou a fait une erreur si c'est Mamadou, au lieu de continuer à dire tel de Selou. Maintenant, il n'est pas là. Vous voulez que Selou rentre? Selou ne rentrera pas. UFDG, dites au président Selou d'Alain Diallo que son ami Amiral Dak Kamano dit de se rappeler de leur échange. Ne pas rentrer en Guinée tant qu'il ne finit pas de régler tout ce qu'il doit régler pour prendre le pouvoir après la transition. Qu'il ne rentre pas en Guinée. Cette fois-ci là, s'il est là-bas, si réellement Selou Dalein a un problème avec la justice guinéenne, la justice guinéenne l'envoyera une convocation. La justice guinéenne va instruire pour que Selou Dalein Diallo vienne répondre à ce qu'on l'accuse. Mais tant qu'il n'a pas une convocation, tant que la justice ne lui saisit pas dans un dossier en République de Guinée, qu'il reste, même si la transition là doit faire 3 ans, qu'il reste 3 ans. Qu'il reste 3 ans. Il y a des gens qui ont fait 11 ans. Tout le mandat d'Alpha Condé, ils ne sont pas rentrés en Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit à ceci là de rentrer au pays? Ceux qui ont fait combien d'années? Certains ont fait 5 ans. Est-ce que ceci-là, les gens ont demandé à ceux qui les rentrent au pays? Si Selou est inquiété par la justice, si la justice guinéenne sait pertinemment que Selou doit répondre de quelque chose, ou il reproche Selou de quelque chose, ils vont convoquer Selou. À partir de là, Selou Dalein peut rentrer pour venir répondre officiellement à l'appel de la justice guinéenne. Mais tant qu'il n'y a pas ça, dites à votre président de ne pas rentrer. Ils ne veulent pas que le monsieur-là négocie avec des Européens. Ils ne veulent pas que ce monsieur-là négocie avec des Américains. Ils ont peur qu'il négocie avec des grandes puissances parce que tout simplement le monsieur est crédible devant toutes les grandes puissances. La preuve en est. L'UFDG a été traité de quoi? Écrivez en commentaire par le RPG. Écrivez-moi les mots dont le RPG vous a qualifié. Écrivez-moi quelques mots. Ils ont dit vous êtes des loubards. Ils ont dit vous êtes des extrémistes. Ils ont dit vous avez un parti communautaire. Ils ont dit vous êtes des moutons. Ils ont tout dit sur vous. Mais, après tout, l'histoire donne raison à qui? L'histoire donne raison aujourd'hui à l'UFDG que vous êtes un parti rassembleur. Vous savez pourquoi?
La rencontre des coalitions s'est faite où? Ça s'est fait à votre siège. Ça prouve déjà que votre siège est un siège rassembleur. Un parti ethnocentriste. Oui, ça s'est dit oui. C'est ce que j'ai dit, communautaire. Donc, ça prouve déjà que votre parti est un parti rassembleur, comme le dit son président, Sélou d'Alain Diallo. Des ethnos, oui. Des moutons, oui. Parce que la preuve, toutes les coalitions en République de Guinée, des coalitions qui se retrouvent, vraiment qui sont dignes, aujourd'hui, ce sont ces coalitions-là qui se sont retrouvées à votre siège. Et avec qui à l'appui? Le RPG qui vous traitait de tout. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Mais je ne sais pas pourquoi vous manquez d'une telle réflexion pour vous attaquer à votre président pour dire qu'une alliance entre RPG et l'UFDG. Alliance est où? Alliance est où? Est-ce que je vous ai dit que vous, chaque fois vous manquez de répondre, quand des bonnes questions vous sont posées, vous manquez de répondre. C'était le cas avec le combat avec le FNDC. Oui, les Français de l'abbé. Oui, les terroristes, ça s'est dit. Je vous dis, lorsqu'on était avec le combat du FNDC, quand l'UFDG est parti aux élections, moi, amiral, j'ai accompagné ces loups. Les gens vous ont dit que l'UFDG a trahi le FNDC. Je vous ai dit que vous manquez de réflexion. Sinon, dans ce combat-là, entre le FNDC que je fais partie et l'UFDG, qui a commencé le combat en République de Guinée pour la démocratie? Qui a commencé contre Alpha Condé pour la démocratie? C'était l'UFDG. Tous les autres politiciens en Guinée ont emboîté les pas de l'UFDG. Comment l'UFDG qui a commencé son combat politique contre Alpha Condé pour la bonne gouvernance, pour la démocratie, comment l'UFDG qui a vu que le FNDC est né avec une couche sociale et qui a aussi les mêmes objectifs que le combat de l'UFDG, ils intègrent le FNDC. Si le FNDC ne peut pas continuer le combat avec la trahison de certains, pourquoi l'UFDG ne peut pas continuer le combat qu'il a commencé bien avant le FNDC? Pourquoi ils ne pouvaient pas continuer? Ils ont continué leur combat politique. Je vous ai dit que c'est seulement, moi j'aime pas aller dans les problèmes de parti, mais je ne peux pas voir quelqu'un que j'aime et que je vois que les gens sont en train de lui marteler avec des mensonges. Et c'est ce qui est là encore. La rencontre au siège de l'UFDG ne prime rien, ça prime que sur la force. Ça prouve que l'UFDG a la force. Ça prime que l'UFDG actuellement est le premier parti le plus puissant de la Guinée. Regardez dans les commentaires des RPGistes. Il vous dit clairement, actuellement en Guinée, Doumbouya doit écouter dans toute partie chose que l'UFDG n'est pas. UFR n'est pas, RPG n'est pas, c'est que cette chose, elle est nulle et non effet. Qui le dit? Ce n'est pas les RPGistes. Mais quand on a commencé quand on a commencé, nous on était en observation. Quand les coalitions ont commencé contre le CNRD, ils ont créé le G58. Qu'est-ce que le RPG a dit? À l'époque, les membres du RPG ont dit que c'est une coalition de plaisantins, qu'il y a même des partis politiques dans le G58 qui n'ont même pas de siège, qu'il y a même des partis politiques qui n'ont même pas de militants. Ils ont dit oui ou non. Et que je viens voir, aujourd'hui c'est le même RPG qui vient s'asseoir de lire la convention du jour de leur rencontre. Et ce qui m'a beaucoup marqué, je vais vous dire. Vous savez, le jeune qui a lu, le jeune qui a lu la décision rendue au siège de l'UFDG, le jeune là, c'est un jeune frère. C'est un jeune frère. Nous avons grandi ensemble ici, mais je suis plus âgé que lui. Ils sont de notre, après nous, ils étaient d'une deuxième génération après nous.
Nestor Kagbaduno qui a lu leur décision qui a été rendue publique. Celui qui a lu, c'est un jeune frère. Vous savez ce qui s'est passé entre lui et moi, amiral? Dieu ne m'abandonnera jamais. Je vais vous le dire aujourd'hui. Ce jeune est venu à l'intérieur pour faire la promotion du troisième mandat. Pour la première fois que j'entends le mot première république, premier mandat de la quatrième république, c'était dans la bouche de ce jeune. Il est venu, j'ai reçu la vidéo à la minute qu'il était en train de couillonner nos parents dans un village. Il était en train de les amadouer dans un village. Quand il a fini de les parler, dans cette vidéo, il a dit que nous partons à Conakry. On ne part pas pour le troisième mandat, mais nous partons pour le premier mandat de la quatrième république. C'est ce jour-là que j'ai entendu le mot. J'ai encore les messages échangés entre ce jeune et moi dans mon téléphone-là. Je lui ai dit de la même manière que je vous ai dit d'écrire la date. Je lui ai dit aussi d'écrire la date. Ces jours, je lui ai dit, tu es un jeune, tu as grandi avec nous ici, on te connaît parfaitement, tu ne devrais pas aller dans ce sens-là. Tu ne devrais pas aller dans la tromperie de tes parents, parce que le pouvoir d'Alpha va finir, mais tu seras décrédibilisé auprès de tes parents. Personne n'aura maintenant ta confiance. On est où aujourd'hui? Ces jours-là, quand je lui ai dit, il a dit que, il trouvera un temps, en ce temps il était député à l'Assemblée, qu'il trouvera un temps, il viendra pour échanger uniquement avec moi. Le temps là n'est pas arrivé, il y a eu coup d'État. Il n'a jamais eu ce temps, il y a eu coup d'État. Mais ce jour-là, je lui ai dit, Nestor, je te veux quand tu étais avec Gandhi. Je te veux quand tu étais aux côtés de Selou d'Alain Diallo. Je te veux quand tu étais avec le docteur Faya Milimuno, quand tu étais avec toutes ces personnes de l'opposition qui étaient en train de défendre la bonne cause de la République. Mais là, je ne te reconnais plus, Nestor. Là, je ne te reconnais plus. Premier mandat d'une quatrième République. Je ne te reconnais plus, c'est pas toi. Tu es jeune. Avec ceux-là, tu es en train d'accompagner, les personnes que tu es en train d'accompagner, au pouvoir là, ils sont vieux, ils vont mourir, ils vont nous laisser dans ce pays. Et toi, tu n'auras jamais la tête haute, les yeux de me regarder. Parce que là, je te dis la vérité, tu auras honte devant moi un jour. L'histoire me donnera raison. Nestor, écris-le, tu verras un jour. Il m'a dit que j'ai ma conviction, il a sa conviction, que chacun défend sa conviction. Le dernier mot qu'il a dit devant moi. Aujourd'hui, on est où? Donc, lorsque j'ai vu que le porte-parole de cette rencontre des coalitions ces jours, c'était lui. C'est lui qui va rendre public le message des coalitions. Waouh! J'ai dit, Dieu est où? Dieu est où? Dieu, tu m'as honoré. Parce que c'est ce que je disais à ces jeunes, que ce que vous êtes en train de comploter là, ça va nous amener à un chaos en République de Guinée. Ça va nous ramener à un malheur en République de Guinée. Ça va nous amener dans toutes choses en République de Guinée. Rien que du mal. Aujourd'hui, nous sommes où? Même lui, sa vie est menacée. Il le dit. Regardez, sentez dans sa lecture. Amiral est où? Je suis assis tranquillement. Regardez, je continue à faire mon travail, je suis au champ. Qui est la vie de qui est menacée? Moi, j'ai prévenu, je lui ai dit que vous êtes en train de mettre le pays dans un lieu où vous ne pourrez plus le faire sortir. Troisième mandat ou premier mandat d'une quatrième république n'est pas bon pour toi, jeune. Aujourd'hui, je tombe de nuit de voir le RPG venir au siège de l'UFDG. Mais ça ne me surprend pas parce que j'ai toujours dit que lorsque tu défends la vérité, Dieu envoyera tes ennemis jusqu'à tes pieds. Aujourd'hui, Dieu a envoyé les ennemis de Selou d'Alain Diallo et son parti UFDG jusqu'à ses pieds pour lui dire que nous, on avait tort. Aujourd'hui, c'est toi le plus fort. Nous venons, nous demandons ton apport. Nous demandons ta force. Nous demandons ta crédibilité. Nous demandons ton pouvoir. Nous demandons ta puissance afin que nous sauvons nos cadres du RPG qui sont en train d'être traqués par le CNRD.
La simple raison de la présence du RPG là-bas, c'est ça. Comment l'UFDG peut valider la libération de leurs cadres qui sont traqués aujourd'hui par le CNRD? Parce qu'au côté de l'UFDG, le CNRD aura peur de continuer la chasse qu'il a commencée contre les membres du RPG. Ça prouve que toi, mon ennemi d'hier, toi que j'ai dénigré, toi que j'ai insulté, toi que j'ai tué, toi que j'ai fait tout ce qui est du mauvais sur terre, je viens à tes pieds, pardon. Soyons ensemble, aide-moi à libérer mes confrères. C'est ce que le RPG est venu vous demander. Vous ne vous réjouissez pas pour ça ?